Le dossier des radiations n'en est sans doute qu'à ses prémices. Le FLNKS poursuit son action avec les recours en brandissant la menace de l'échec du travail des commissions de révision des listes électorales spéciales. Mais Calédonie Ensemble s'appuie sur une nouvelle jurisprudence née d'un arrêt de la Cour de cassation pour défendre les électeurs menacés de radiation. Éric Dufour et Robertin Manougi. Pour le FLNKS, les personnes non inscrites sur les listes électorales de 1998 ne doivent pas figurer sur la liste électorale spéciale. La stratégie du FLNKS est unanimement dénoncée par les partis non indépendantistes qui se disent également rassurés par les propos récents du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Mais Calédonie Ensemble a trouvé une nouvelle parade pour anticiper les futurs recours du FLNKS devant les tribunaux. Une jurisprudence rassurante selon Philippe Michel. On a trouvé donc un arrêt de la Cour de cassation qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui établit clairement que si on demande une radiation sur la base du seul constat d'une non-inscription sur les listes de 88, ça n'est pas suffisant pour prononcer la radiation.